Nous lutterons ensemble, nous construirons ensemble nos routes, nos dispensaires, nos églises. Ainsi le président de la République du Rwanda s'adressait-il récemment aux communautés chrétiennes du pays. Mais ces églises comptent sur la solidarité des chrétiens des pays riches pour maîtriser progressivement les problèmes du développement. Au Rwanda, Regard a pu enquêter pour voir quelle merveille réalise un vrai partage entre les hommes. Les difficultés principales dans le tiers-monde, c'est la santé tout d'abord. Et que la santé joint la nourriture. Ensuite, il y a le logement. Le logement est toujours précaire. Il y a l'éducation. Les écoles sont trop peu nombreuses. Il faudrait ajouter chaque année des centaines d'écoles dans le pays. Les sœurs hospitalières de Sainte-Marthe à Fribourg se sont installées pour Noël 1970 à Nyamata, à 35 km de Kigali, la capitale. Elles ont aujourd'hui 3 communautés dans le pays. À Nyamata, les sœurs ont créé une maternité et un dispensaire dont l'urgence est quotidiennement évidente. Fondation d'église, le dispensaire des sœurs hospitalières de Sainte-Marthe est agréé par le gouvernement. Le ministère de la Santé verse même un modeste salaire à une partie du personnel qui travaille avec les religieuses. Après 17 années dans le pays, sœur Agnès parle aisément le Kinyarwanda. Proche du centre de santé, une maternité. Voilà, ici, c'est un prématuré de 7 mois qui est né en route, est arrivé ici en pleine nuit, transi de froid. Alors, nous avons essayé de le réchauffer et puis le nourrir par la sonde. Sœur Marianne, ce bébé vient de naître? Oui, il vient de naître il y a peut-être 3 minutes. Il est très petit? Oui, il doit avoir peut-être 6 mois et demi de gestation. Vous devez l'habiller assez chaudement? Oui, étant donné que nous n'avons pas de couveuse, alors nous devons bien le réchauffer avec le lainage, les couvertures et puis une bouillotte. D'où vous viennent ces couvertures, ces lainages? Nous recevons de la Suisse principalement et parfois de l'Allemagne ou de la Belgique. Chaque bébé part avec un bonnet, des chaussons, une brassière en laine, un linge. Nous avons en moyenne 100 à 120 accouchements par mois. Ici, dans cette maternité. Donc, les femmes ne restent pas longtemps chez nous. Celle que vous avez vue au début, là, elle a couché hier et elle est partie ce matin déjà. Les femmes sans problème, les enfants sans problème, nous laissons partir assez rapidement pour libérer les chambres, les lits. Et puis aussi, elle ne peut pas rester longtemps ici. Elles ont encore d'autres enfants à la maison. Et puis, habituellement, c'est la famille qui vient apporter à manger. Nous voici à Gakurazo, dans une commune rurale, au noviciat des frères joséphites, un ordre religieux typiquement rwandais. Trois jeunes, 11 postulants et 12 novices sont actuellement en formation à Gakurazo. La communauté des religieux dans laquelle ils s'engagent est formée de frères. Leur vocation n'est pas de devenir prêtre.
que nous avons plus de 50 ans d'existence. Une congrégation de religieux enseignants essentiellement et qui s'occupe de plusieurs écoles dans le pays, aussi bien dans le cadre formel qu'informel. Ici, vous avez un noviciat, mais quel service pouvez-vous rendre à la population ? Beaucoup de services. On est en relation étroite avec la paroisse ici à côté. Et puis les novices ont pris en charge, essayent de prendre en charge les jeunes non scolarisés qui tournent autour de cette maison, soit par l'alphabétisation, soit par des jeux communs ici sur le terrain. Et c'est surtout l'alphabétisation et puis les travaux de culture, de chant, etc. Pendant 30 ans, le noviciat n'a pas bénéficié d'eau courante, pas plus d'ailleurs que la population environnante. Une eau de source parvient aujourd'hui chez les Joséphites et au centre de santé communal, grâce à un captage réalisé sur les collines, à 4 km de distance. La commune de Mukigny vit essentiellement de l'agriculture, avec un peu d'élevage. Diverses espèces de bananiers procurent une part importante de la nourriture. Le paysage de verdure à la saison des pluies ne doit pas faire illusion. La terre est pauvre et le travail ardu. Et les fleurs de patates douces ont des ennemis. Dans l'aide au développement, un objectif prioritaire consiste à mettre à disposition une eau potable. Ça signifie la vie, ça signifie la santé, ça signifie, vous savez, la symbolique de l'eau, c'est universel. Hein. De ce point de vue-là, on n'est pas différent des autres peuples. Je crois qu'ils ont retrouvé la liberté, ils ont retrouvé la santé, la vie, la pureté. L'eau signifie vraiment la vie. Hein. C'est la vie recouvrée, la vie retrouvée ici, quand on a eu de l'eau. Mais cette eau, est-ce qu'elle est suffisante ? Elle n'est pas suffisante. Vraiment, on a essayé avec tous les moyens du bord à capter cette eau. Mais pour servir toute la population ici environnante, le débit n'est pas assez fort. Je sais que dans certaines maisons, dans notre maison du noviciat, l'eau n'est pas encore suffisante et on se pose des problèmes pour l'amener jusqu'au centre de négoce. Ça pose un petit problème. Donc il y a encore du travail en perspective. Il y a encore du travail en perspective. Intéressant, mais il y a du travail. Et coûteux aussi. Et coûteux, bien sûr, mais on compte toujours sur des amis. Frère Martin fait allusion à l'action de carême des catholiques suisses. Elle est intervenue pour fournir l'électricité au noviciat et la financer l'adduction d'eau, mais le centre de négoce n'en dispose pas encore. On trouve ici les commerçants et artisans de la commune, soit une centaine de familles. Devant le centre de santé à disposition des 40 000 habitants de Mukigny, la place est devenue un point de convergence grâce à une antenne de distribution d'eau. Les enfants connaissent le travail qui les attend à la sortie de l'école. La vie est ainsi transformée. Ce n'est pas une vaine formule que d'adresser ce message chanté à la Suisse. Nous vous disons un sincère merci pour la sollicitude de votre peuple à notre égard, que se fortifient les liens d'amitié qui nous unissent et que Dieu vous bénisse. L'action de carême qui apporte une contribution au développement répond également à des besoins propres au territoire de mission. Dans un diocèse comme le mien et dans l'organisation des paroisses, nous avons vraiment besoin de bâtiments assez considérables parce que nous avons des masses de gens à abriter. Alors, il y a les églises paroissiales. L'action de carême nous a aidé à en construire un bon nombre. Et puis, il y a surtout la structuration des paroisses succursales. Pour travailler vraiment dans une paroisse succursale, il nous faut un local, une petite église, une salle polyvalente.
Il nous faut un petit logement pour le prêtre de passage, avec un bureau, une petite chambre pour loger. Il faut des salles de catéchuménat. Il faut de plus en plus des écoles, des salles de classe. Et on ne peut pas vraiment faire du bon travail si on n'a pas cette infrastructure matérielle. Alors l'action de Carême a très bien compris cet aspect de notre apostolat et nous aide vraiment à bâtir ces églises et surtout à structurer en bâtiment nos succursales qui sont de vraies paroisses. Il y a chaque fois dans une succursale de 5 à 6 000 chrétiens. Vous voyez, ce n'est pas des petits groupes de 10 ou 15, c'est des centaines de chrétiens. Il faut les abriter pour la liturgie, pour le catéchuménat, pour toutes ces activités apostoliques. On n'édifie plus de cathédrales comme celle de Cap-Gaille que nous venons de voir et qui date de la période 1920. Ici, l'église paroissiale de Nyamata illustre une forme de construction belle mais sobre. Elle est due à un architecte jurassien, le père Jobin. C'est un luxe que les Africains ne vont jamais nous reprocher. Au contraire, ils sont très heureux. Et c'est peut-être ça qu'il faut remarquer dans le tiers-monde, c'est que des populations étant pauvres nous demandent des églises. Et ces églises, elles sont réalisées et elles sont remplies aussi. C'est tout de même un signe. Comme la cathédrale Saint-Michel à Kigali, l'église paroissiale de Gikondo est encore une œuvre du père Jobin à laquelle l'action de Carême a donné son appui. L'eau de pluie des toitures est recueillie dans de grandes vasques et amenée dans des citernes. Au-delà de l'utilité, l'architecte a voulu symboliser l'accueil des dons du ciel. Gikondo est une paroisse de quartier, donc dans la périphérie de Kigali. Elle représente un signe, je pense, un signe de rassemblement, tout d'abord, d'une population. Et là, on peut dire qu'on est à un niveau supérieur du développement. Il ne s'agit pas simplement de se contenter de satisfaire des besoins matériels, simplement satisfaire un mieux-être, un plus-être. Mais l'Église est là pour donner un signe d'une autre dimension. Et cela s'exprime dans le choix architectural pour cette église de Gikondo. Et ici, j'ai pu partir, si on peut dire, en hauteur. Il est rare que je puisse ajouter un clocher à une église. C'est toujours peut-être quelque chose de superflu, ici, dans le contexte. Mais dans le quartier, j'ai en même temps justifié cette tour, puisqu'elle contient le tabernacle. Donc, elle a non seulement un rôle, disons, esthétique, mais aussi un rôle fonctionnel. Au Rwanda et dans des pays voisins, le père Jobin a réalisé 25 églises et 413 autres projets, parmi lesquels des dispensaires, des écoles ou, plus simplement comme ici, au Marais de l'Espérance, un centre d'accueil. Il est destiné à des femmes en détresse qui, avec les sœurs du Bon Pasteur, commencent à se regrouper pour entreprendre diverses activités lucratives. Dans un tel service, l'Église se veut solidaire de l'autodéveloppement. Responsables de l'État, du pouvoir public, responsables de l'Église, nous visons l'homme, donc l'homme intégral. Nous ne pouvons pas le diviser, même si l'État doit organiser la société, nous devons quand même au moins y apporter une part de suppléance. Et cet acte positif que nous faisons, à savoir cette suppléance, la participation au développement, je crois que nous tous nous en sommes contents et conscients justement de ce type de développement qu'il faut vraiment aider l'État, pourrais-je dire. Nous débattons dans beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés, pourquoi pas en matière, dirais-je. Alors tout apport, que ce soit de l'Église ou d'un autre organisme de bienfaisance, il est très très bienvenu
pour le développement de notre pays. Nous voici au club Rafiki, dans un quartier populaire de Kigali. Ce centre a été lancé par les Dominicains il y a une douzaine d'années. Il est dirigé aujourd'hui par un Rwandais. Un centre de culture et de loisirs, est-ce si important dans un tel quartier? Je ne crois pas que ce soit un luxe parce que l'homme ne vit pas seulement de l'argent. Je sais très bien qu'on a besoin de productivité, on a besoin de l'argent, on a besoin de beaucoup de choses pour vivre, mais aussi les loisirs et la culture. Parce que pour la promotion humaine, je pense que c'est nécessaire qu'on soit informé, formé, et à travers ces activités de loisirs, c'est ça notre objectif. La bibliothèque est très courue. On y retrouve aussi bien des étudiants qui ont besoin de manuels scolaires que des jeunes qui recherchent la distraction et les rencontres. D'ailleurs, Rafiki veut dire amitié. Le club édite des pièces de théâtre et d'autres œuvres qui servent à poursuivre l'alphabétisation. Il publie également son propre journal, vendu à 2000 exemplaires. Ce journal aborde surtout des questions des jeunes, par exemple l'alcoolisme ou l'exode rural. Les activités du centre, conférences, projections de films ou animations religieuses, y sont bien sûr annoncées. Trois animateurs sont mis à disposition par l'État rwandais, ce qui allège les frais de fonctionnement du club. En premier lieu, nous avons des ressources propres qui proviennent des cotisations des membres, qui proviennent des entrées de certaines activités. Et je peux dire que de ce côté-là, nous couvrons 60% de notre budget. Et les 40% sont cherchés ailleurs, et notamment dans des organismes étrangers, dont l'action de Carême Suisse, qui nous subventionne à 24%, et ce qui est énorme comme financement. Et depuis le début du club Rafiki, et nous comptons sur lui-même dans l'avenir. Nous quittons maintenant la capitale pour rejoindre, à 170 km de là, à 5 ou 6 heures de voiture, les collines de Guissovou. Nous sommes dans la préfecture de Kibouyé, où la coopération technique suisse a réalisé divers projets, notamment un programme de lutte anti-érosive. Pour une partie des habitants de Guissovou, c'est aujourd'hui la journée de l'arbre. 700 familles sont représentées au centre communal de développement et de formation permanente. Le conseiller politique de l'un des 9 secteurs de la commune commence par souhaiter la bienvenue aux habitants et aux Suisses. Il est vrai que l'action de Carême épaule ici plusieurs projets. Alexis Kaigema, le directeur local des projets de développement, explique que chaque famille pourra emporter chez elle quelques petits arbres, des pins, des cyprès, des eucalyptus. Une dernière information est donnée pour faire bon usage des milliers de plants mis à disposition. Il y a une méthode à suivre pour que le petit arbre prospère, choisir l'endroit, planter, arroser. La distribution va commencer auprès des chefs de cellule. Il y a quelques années seulement, on ne se serait pas pressé ainsi pour quelques petits arbres. Suite à un long travail de formation, chacun sait aujourd'hui qu'il est vital de reboiser. La foule attend cet instant depuis plusieurs heures. Provision faite, chacun regagne sa colline. Parmi les 143 communes du pays, Guissovou est encore l'une des plus pauvres.
elle est partagée par la crête Zaïre-Nil, où se fait la séparation des eaux des deux grands fleuves africains. Elle étale ses 145 km² au-dessus du lac Kivu, à une altitude moyenne de 2300 mètres. Elle nourrit une population de 32 000 habitants. Tous les efforts sont entrepris pour que chacun prenne en charge le développement. Le bourgmestre aime à dire « Dans notre effort, nous avançons petitement, mais nous ne reculons jamais ». D'ailleurs, la commune est aujourd'hui remarquablement organisée. Nous faisons la formation des chefs d'équipe qui sont bénévoles. Et puis nous avons aussi la formation des alphabétisés bénévoles ici de la colline. Nous formons aussi les fontainiers et qui essayent d'aménager de l'eau sur place dans les différents secteurs de la commune. Donc, c'est-à-dire que notre animation descend jusqu'à la base. L'eau de source parvient maintenant en 288 points de la commune. Autre impératif confié au centre, l'alphabétisation des adultes. Ces adultes en sont au commencement, ils n'ont pas fréquenté d'école. Les églises mettent volontiers leurs locaux à disposition pour cette formation. S'agissant de l'évangélisation, et pour cet énorme secteur, la communauté catholique peut compter sur le service d'un seul prêtre. Mais il y a également un bon nombre de catéchistes pour les adultes. Toutes les activités ont besoin de formateurs. Nous avons actuellement dans la commune 22 formateurs techniques. Nous avons aussi d'autres formateurs politiques qui sont les conseillers. Nous avons 9 conseillers qui nous aident dans cette formation. Nous avons 335 qui dirigent les cellules de notre commune. Et puis nous avons 950 chefs d'équipe bénévoles. Nous avons aussi 252 alphabétisés bénévoles aussi. Tous ces formateurs nous aident à arriver juste à la base dans la population. Un avocatier, un pin, chaque petit arbre réclame des soins spécifiques que les chefs d'équipe apprennent pour les communiquer à d'autres. Suivant la manière d'organiser son petit domaine, un paysan sera rapidement considéré comme progressiste. Maintenant, nous avons quelques paysans progressistes qui ont changé leur manière de cultiver, qui ont lutté contre l'érosion, qui ont des étables fumières, qui ont des petites bêtes d'eau, la basse-cour. En plus, on trouve qu'on a changé. Et la manière d'alimentation, maintenant on utilise une alimentation plus ou moins équilibrée pour certaines personnes qui ont visité surtout notre centre. Au centre communal de développement et de formation permanente, les paysans trouvent 2 taureaux sélectionnés. Les salles construites avec l'aide de l'Action de Carême sont régulièrement occupées sous la conduite des formatrices et formateurs techniques. La lecture n'est pas qu'un exercice, elle permet aujourd'hui d'en savoir plus sur le bon usage des médicaments. Depuis 1984, la commune est aussi fière de son usine à thé créée par le gouvernement. 2500 personnes travaillent dans des plantations industrielles ou privées. Depuis quelques années, on vit mieux à Guissovou. Je crois, je ne peux pas affirmer que c'est tous les gens qui vivent mieux, mais les gens qui sont venus fréquenter notre centre, ils vivent mieux qu'avant, à cause des innovations qu'ils ont acceptées d'apporter chez eux. Prochaine innovation dans cette commune rurale de Guissovou,
la réalisation d'un moulin hydraulique pour les céréales. Quittons la préfecture de Kibouye pour rejoindre celle de Gitarama, où passe une route asphaltée qui traverse tout le Rwanda. Notre dernière étape nous conduit un peu à l'écart. L'Action de Carême a financé une salle polyvalente qui va nous ouvrir les portes d'une prison. Inaugurée l'an dernier, la salle polyvalente est à la fois chapelle écuménique de la prison et local de formation. La moitié des 900 prisonniers participent plusieurs fois par semaine au cours d'alphabétisation. Si quelques détenus peuvent suivre ici des leçons de français, d'anglais ou de comptabilité, le cours le plus fréquenté est celui de l'éducation sanitaire. Ce prisonnier est inquiet à propos des ascaris. Comment éviter ce parasite intestinal? Un conseil, prudence et observation. En cas de doute, consultez le médecin de la prison. L'espace d'une heure, la salle redevient chapelle pour une célébration écuménique. Un seul seigneur, une seule foi, proclament les détenus et le personnel de la prison. Le Christ est notre paix. De ceux qui étaient divisés, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit la haine, lit-on dans l'Épître aux Éphésiens. Frères et sœurs prisonniers, vous formez une communauté en participant à la vraie vie du Christ. Aux détenus qui arborent les fanions de leurs équipes d'animation, le directeur apporte également son message. Notre belle salle polyvalente est particulièrement utile à notre communauté pour la formation tant morale qu'intellectuelle de nos détenus, souligne le directeur. Et tous ceux qui sont soucieux de partage sont certainement englobés dans le champ du Notre Père.